So just 1 week ago, I was in Torino, where the there was the official start of celebrations for this bicentennial at the Academy of Science, and I gave a little speech, which I don't want to repeat here, but let me summarize two or three points only. Well, first, Lagrange has been extremely fast in showing his ability in research. And second, he has been a citizen of Europe. He has been working in Paris, in Berlin, in Torino, of course, and he has been traveling all around Europe, staying in England, for instance, for some time. And well, this is a sort of reference point for us, should be at least, giving more room to young people and giving more opportunities of moving around in Europe. Maybe, I don't want to say that it was easier 2 centuries ago, certainly not, but it's not easy either nowadays. It should be easier, maybe. The third point that I want to make is that Lagrange, it's difficult to say whether Lagrange was an applied mathematician or a pure mathematician. So certainly, I think in his mind this difference was completely pointless. And the routes that he has opened have been so deep and so wide that sometimes only after centuries, more than a century or even these 2 centuries, we see applications of what he has been doing, striking applications of what he has been doing. So the other lesson that we learn from him is that there is no reason for pointing to immediate applications of mathematics. One has to work and produce ideas, in whatever field. Then we have to be confident that this will pay back in the future, maybe in the far future, but it will. Okay, so let's start the afternoon session. First speaker is Professor Jean-Luc Chabert. The title is Lagrange et la résolution des équations. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Tout d'abord, je précise de quoi je... Ah, le micro. Le micro. Je précise de quoi je vais parler. Bien, tout d'abord, il s'agit d'équations algébriques. Non, ah, dans la poche. Je vais parler. Non, ça marche pas. Ah, okay. Je vais parler d'équations algébriques, polynomiales. Et comme vous vous en souvenez, nous avons eu hier un exposé
du professeur Violas sur Lagrange et la théorie des nombres. Et bien sûr, là, on a une intersection qui n'est pas vide, loin de là. Et donc, mes préliminaires vont ressembler un peu à ce que vous avez entendu hier en version anglaise. Et donc, vous avez la version française cet après-midi. Donc, il y a plusieurs façons de résoudre des équations. Il y a la façon algébrique, la résolution algébrique, qui consiste, étant donné une équation générale de degré n, à essayer d'exprimer la solution générale sous forme, à l'aide des opérations élémentaires et des racines énièmes. Bon, on savait bien le faire jusqu'au degré 4, au temps de Lagrange. Ensuite, il y a la résolution numérique exacte ou approchée pour une équation donnée. Il y a aussi la résolution en nombre entier ou rationnel pour une équation à coefficient entier. Ce sont les équations diophantiennes, dont notamment l'équation de Pell-Fermat. Alors, je vais passer en revue les articles de Lagrange où il est question d'équations. Et là non plus, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il y a trois périodes dans la vie de Lagrange. Turin, Berlin, Paris, simplement pour vous rappeler que les travaux relatifs à la résolution algébrique ou à la résolution numérique des équations se situent tous dans la période berlinoise et même dans la première décennie de cette période berlinoise. Alors, si on passe en revue les mémoires essentielles, on a d'abord trois mémoires sur les équations diophantiennes, puis deux mémoires sur la résolution numérique des équations, puis toujours dans cette période, une nouvelle façon de résoudre les équations que je n'ai pas indiquée au début, qui ne fait pas partie des trois premières, c'est la résolution formelle. Comme l'indique le titre de l'article, nouvelle méthode pour résoudre les équations littérales par le moyen des séries. Et ensuite, on a une application au problème de Kepler. Donc, de quoi s'agit-il? On a une équation polynomiale ou, pire, une équation avec une infinité de termes. Quelque chose, et notamment une équation de la forme alpha moins x plus phi de x ou phi égale 0, où phi est une équation développable en série entière. Bon, à ce moment-là, Lagrange donne ce type de solution et l'applique au problème, à l'équation de Kepler. Mais bon, ce n'est pas mon sujet, puisque je veux parler d'équations, enfin, je veux parler d'algèbre, donc je le cite pour mémoire, je pense qu'il en sera question ailleurs. Le problème de Kepler d'astronomie, c'est ça? Oui, d'astronomie, oui. L'équation... Pardon. L'équation de Kepler qui lie l'anomalie excentrique et l'anomalie moyenne. Enfin, donc l'autre type de résolution, la résolution algébrique, ce mémoire de 1771, réflexion sur la résolution algébrique des équations, un gros mémoire de 200 pages. Ensuite, alors là on peut dire une résolution théorique, c'est un mémoire relatif au théorème fondamental de l'algèbre. Donc c'est pas résolution, c'est la théorie. Bon, mais la situation était la suivante à l'époque de Lagrange. On avait un énoncé qui datait de Girard au XVIIe siècle. Une première preuve par D'Alembert de type analytique. Une preuve qui suit de peu par Euler de type algébrique. Et Lagrange n'était pas satisfait de ces démonstrations et il revient sur la preuve de l'air et propose de compléter la preuve de l'air. Cela étant, Gauss n'était satisfait par aucune des démonstrations précédentes. Il propose sa propre preuve en 1799 dans le prolongement de la preuve de D'Alembert. Il aura d'autres preuves ensuite. Et à partir des preuves de Gauss, bon, on considère que le théorème est démontré. Bon, si je parle de ça, c'est pas le sujet dont je veux parler. C'est simplement que je veux dire qu'à cette époque,
Le théorème fondamental de l'algèbre était considéré comme vrai, mais même si on n'avait pas de preuve absolument, une preuve qui était convaincante pour tout le monde, simplement, on faisait comme s'il était vrai, et notamment le mémoire de 1771 de Lagrange, qui cherche à résoudre une équation et qui considère, pour une équation de degré n, il considère les n racines et il calcule à partir de ces n racines. Donc, c'est comme si le théorème était démontré. Enfin, des mémoires sur la théorie des formes quadratiques dont on a parlé hier après-midi. Et pour moi, les choses s'arrêtent là au niveau des mémoires. J'ajoute simplement, plus tardivement dans la période parisienne, un traité de la résolution des équations numériques, je le cite parce que il reprend des traités, des mémoires antérieures, donc il n'est pas nouveau, sauf qu'il y a toute une série de notes qui suivent et qui sont nouvelles. Et notamment, il y aura deux dernières notes dans la seconde édition en 1808, et j'aurai l'occasion éventuellement d'en parler. Donc ça, ce n'est pas le titre de mon exposé, c'est celui d'hier. Comme j'avais la chance d'avoir un résumé et j'avais vu quelques mots-clés, j'ai pu savoir qu'il ne fallait pas que je parle de fractions continues, ni d'équations dieufanciennes, ni de formes quadratiques binaires. Alors, donc j'ai donc procédé par élimination, pas d'équations dieufanciennes. Et puis, si je ne parle pas des fractions continues, je ne peux pas non plus parler de la résolution numérique des équations. Parce que, en fait, justement, l'originalité de Lagrange pour sa résolution numérique des équations, c'était les fractions continues, l'utilisation de l'approche par fractions continues. Donc, si on ne parle pas des fractions continues, le mémoire n'a plus beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas à en dire beaucoup. Ça ne marche pas. Ah. La reprise n'est pas... Oui, et ça alors ça, ça. Oui. Bon, donc par élimination, finalement, par une succession d'éliminations, j'arrive à mon exposé, la résolution algébrique, j'ai ajouté le mot algébrique à la résolution des équations. Et du coup, des mémoires de Lagrange, il me reste le mémoire de 1771 sur la résolution algébrique des équations. Bon, donc je vais parler de ce mémoire, qui est un grand mémoire, et qui justement a été beaucoup étudié, et eu beaucoup de commentaires, et je n'ai... Je n'ai rien de plus à dire. Donc, je ne pense pas, je ne vais rien apporter. Ma seule ambition aujourd'hui, c'est d'essayer, pour quelqu'un qui n'a pas lu ce mémoire, d'essayer de faire comprendre quel est l'apport de Lagrange, comment il y est arrivé et en quoi ça a été fondamental pour ce qui a suivi, et notamment le travail de Galois et toute la théorie de Galois. Donc, je démarre sur le mémoire de Lagrange de 1771, qui a été présenté à l'Académie royale, à l'Académie de Berlin. Et voici donc des extraits de l'introduction de Lagrange. On est guère plus avancé qu'on l'était du temps de Cardan, où on savait résoudre les équations degré 3 et 4. Et le temps de Cardan, c'est plus de deux siècles auparavant. Et ensuite, il explique son propos. Je me propose, dans ce mémoire, d'examiner les différentes méthodes que l'on a trouvées jusqu'à présent pour la résolution algébrique des équations, de les réduire à des principes généraux et de faire voir a priori pourquoi ces méthodes réussissent pour le troisième et le quatrième degré et sont en défaut pour les degrés ultérieurs. Alors, ça paraît une introduction un peu banale et sans grand intérêt, mais c'est exactement ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre les démonstrations antérieures, essayer d'en tirer
des phénomènes généraux, des phénomènes qui sont communs à toutes ces techniques, et puis voir si on peut les appliquer. Et effectivement, il n'y arrivera, enfin, on n'aura pas de... Il ne va pas aboutir ni à prouver que l'équation du cinquième degré est résoluble, ni qu'elle n'est pas résoluble, et pourtant il obtient des choses qui vont être fondamentales. Alors, avant Lagrange, donc, comme on le sait bien, au XVIe siècle, c'est une entreprise exclusivement italienne. Pour le troisième degré, Scipione del Ferreo, Niccolo Tartaglia, Girolamo Scardano, excusez-moi pour mon accent italien, mon accent français plutôt. Et puis pour le degré 4, Ferrari, un élève de Cardan. Mais, on va reprendre sa méthode de Lagrange. En parle, et donc on va en reparler avec Lagrange. Tout ça est repris dans l'algèbre de Bombelli et de façon relativement claire, et on a pu dire que avec Bombelli c'était un peu le début de la théorie des imaginaires. Et puis après, plus rien pendant deux siècles. Enfin, il y a eu des travaux, bien sûr, mais pas d'avancée significative, puisque, bon, on peut citer parmi, si on cite l'essentiel, il y a Tschernaus qui a proposé ce qu'on appelle maintenant la transformation de Tschernaus pour résoudre les équations, donc un siècle plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit? Il remarque que on savait supprimer un terme dans une équation par une translation sur l'inconnu. Eh bien, si on utilise une équation de degré 2, eh bien, on pourra peut-être supprimer deux termes. C'est ce qu'il fait pour l'équation de degré 3. Et il dit, en prenant des équations de degré plus élevé, en prenant plus de coefficients, on y arrivera dans tous les cas. Bon, Leibniz n'était pas d'accord et le lui a dit. Ensuite, il y a un siècle plus tard encore, Euler et Bezout qui proposent aussi des techniques de résolution. Les techniques d'Euler et Bezout sont assez semblables. Il y a toutefois des analogies avec la méthode de Tschernaus. Lagrange va les passer en revue toutes, et donc on va en parler dans un instant. Et puis il y a aussi Waring et ses Meditationes algébriques, où notamment il expose clairement les relations entre les fonctions symétriques des racines d'une équation et les coefficients de l'équation, donc qui sont des fonctions rationnelles des coefficients de l'équation. Bon, alors je décris le mémoire de Lagrange qui est en quatre grandes parties, très simples, le degré 3, le degré 4, le degré 5 et plus, et puis des considérations générales. Donc pour le degré 3, il nous rappelle une technique de démonstration. On part de l'équation degré 3 sans terme en x carré et on décompose l'inconnu x en une somme y plus z, d'où l'équation 3, bien connue. Et puis on fait l'hypothèse simplificatrice que la dernière parenthèse est nulle. Et du coup, on obtient le système 5 de deux équations à deux inconnus y et z. On élimine z. Et on obtient une équation en Y, c'est l'équation 6. Alors, cette équation 6, il se trouve que Y n'y apparaît qu'avec la puissance 3, donc elle est facilement résoluble, et Lagrange appelle ça la réduite de l'équation de degré 3. Alors, Lagrange remarque que si on a Y, on a Z, et si on a Y et Z, on a X facilement. Il remarque aussi que Y est solution d'une équation de degré 6, donc Y va prendre 6 valeurs. Mais X est solution d'une équation de degré 3, donc il ne prendra que 3 valeurs. C'est donc que finalement, pour chaque valeur de Y, on aura deux fois la même valeur de X. Bon, ça se voit assez facilement, mais il souhaite le comprendre mieux, et pour ça...
là, on voit que X est fonction de Y. Lui, ce qui va être un de ses leitmotifs, c'est d'exprimer Y en fonction des racines X. Et c'est ce qui va revenir systématiquement dans son mémoire. Comment les valeurs de Y dépendent-elles des valeurs de X? Alors, si on appelle x', x seconde, x tierce les trois racines de l'équation, Lagrange montre que l'inconnu y qu'il a introduit est nécessairement de cette forme-là. Ce qui lui permet d'expliquer pourquoi la réduite est nécessairement du sixième degré, puisque la quantité y devra avoir autant de valeurs que de permutations possibles des trois racines. Donc 6 racines, puisque 3 racines, donc 6 permutations, donc 6 valeurs pour Y. Mais il dit qu'avec cette expression, on voit aussi pourquoi la réduite est résoluble à la manière des équations du second degré, parce que, bon, on l'a déjà dit, l'équation ne renferme que des puissances de Y3 et Y6, et on voit bien sur cette forme-là que si Y est une racine, eh bien JY va être aussi de cette forme, et J carré Y est aussi de cette forme. Donc, quand on exprime les inconnus intermédiaires à l'aide des racines de l'équation, on arrive à comprendre un peu le phénomène. Et il va essayer de faire la même chose sur toutes les technique de résolution des équations qui était connue à cette époque. Par exemple, la méthode de Tchernaus. Alors, bon, il nous rappelle sa méthode, et monsieur Tchernaus remarque que comme on peut faire évanouir un terme quelconque d'une équation dont x est l'inconnu par la supposition de x égale y plus a, on écrit, donc, y étant une nouvelle inconnue et a une quantité indéterminée, de même, on pourra en faire évanouir deux quelconques en supposant x carré égale bx plus a plus y. Donc, on introduit deux quantités indéterminées a et b, ou bien 3 avec x3 égale cx2 plus bx plus a plus y. Alors, voyons ce que ça donne dans le cas d'une équation de degré 3. Si on souhaite éliminer deux termes, les deux termes intermédiaires, on va prendre une équation de degré 2, l'équation auxiliaire x carré égale y plus a plus bx. A et b sont des quantités indéterminées. Alors, entre ces deux équations en x, on élimine x. On obtient une équation en y qui sera de degré 3, avec des coefficients grand A, grand B, grand C. Mais ce qu'on souhaite, c'est ramener l'équation en Y à une forme simple, Y cube plus C égale 0. Donc avec en annulant grand A et grand B. Alors, quand on aura fait ça, évidemment, Y, on connaît les trois racines Y, et on en déduira X à partir de Y. Mais pour ça, il nous faut connaître petit a et petit b, les quantités indéterminées. On va les obtenir à l'aide des équations grand A égale 0, grand B égale 0. Mais le calcul montre que grand A est de degré 1 en petit a et petit b, et grand B est de degré 2 en petit a et petit b. Donc si on élimine petit a entre les deux équations, on obtient une équation B qui est de degré 2. Et là encore, Lagrange se demande à voir pourquoi cette méthode conduit à une réduite du second degré. Alors là, les calculs sont faciles à faire. L'équation, on parle de l'équation auxiliaire de Tchernaus. Quand on regarde, on met tout à fait à droite, c'est les valeurs de Y que l'on a obtenues. Y sont les racines cubiques de moins C. On a les trois racines x', x seconde, x tierce. Et il n'est pas difficile d'en déduire que B s'exprime de cette façon en fonction des racines. Et si on fait des permutations des racines, on voit que l'équation en B doit avoir autant de racines qu'il peut y avoir de valeurs de B. Or, quelques permutations qu'on fasse entre les racines, l'expression de B ne peut que demeurer la même ou se changer en celle qui est écrite en bas. Donc deux valeurs pour B, d'où une équation de degré 2. Ensuite, il passe au degré 4. On a la technique de Ferrari.
Pour résoudre l'équation degré 4, où on a supprimé le terme en x3, on introduit une équation auxiliaire, une inconnue auxiliaire y. De façon, et on considère le carré x carré plus y au carré. Ce qui s'écrit, on obtient un second membre qui est un polynôme du second degré en x, et la technique de Ferrari demande à ce que ce second membre soit un carré, et pour ça on va demander qu'il y ait une racine double en x, donc que le discriminant soit nul. Donc on obtient, en écrivant ça, on obtient l'équation qui est là, et qui est une équation en y, et qui est une équation de degré 3, que Lagrange appelle la réduite. Pourquoi le degré 3 demande Lagrange? Eh bien, là encore, si on regarde comment s'exprime y à l'aide des racines de l'équation, eh bien, à permutation près, y est de cette forme-là, 1 demi de x prime x seconde plus x tierce x quarte. Et quand on fait des permutations sur les racines, on n'a que trois valeurs possibles pour y, d'où une réduite de degré 3. Alors, on regarde maintenant la méthode. Lagrange regarde la méthode de Tchernaus. Il commence par réexpliquer dans le cas général. On a une équation de degré m. On veut supprimer tous les termes intermédiaires. On veut garder que la dernière constante. Donc, il nous faut prendre une équation auxiliaire de degré m-1, avec des coefficients indéterminés, a, b, c, d, etc. On élimine x entre ces deux équations. On obtient une équation en y de degré m, avec des coefficients grand A, grand B, grand C. On a, comme précédemment, grand A, qui est une fonction des coefficients petit a, petit b, petit c, de degré 1. Grand B est une fonction de degré 2, grand C de degré 3, etc. Donc, si on veut annuler tous les coefficients grand A, grand B, grand C, et ne garder que le dernier grand M, de façon à avoir l'équation y puissance petit m plus grand m égale 0. On sait résoudre, dit Lagrange. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler les m-1 coefficients grand a, grand b, grand c. Ça nous conduit à résoudre un système de m-1 équation à m-1 inconnu, petit a, petit b, petit c. Et la première équation à degré 1, la deuxième de degré 2, la dernière de degré m-1. Donc, si on, par élimination, on va obtenir une équation finale qui va être de degré, en général, le produit 1, 2, 3, jusqu'à m-1, c'est-à-dire factoriel m-1. Or, remarque Lagrange, factoriel m-1 est toujours strictement plus grand que m, dès que m est au moins égal à 4. Donc, la méthode de Tchernaus ne fonctionne pas pour m égale 4. Là encore, Lagrange veut savoir pourquoi vraiment on obtient une équation de degré 3. Donc il regarde comment s'exprime le coefficient petit b dans le cas de cette méthode de Tchernaus. Comment le petit b s'obtient en fonction des x, des racines. Il obtient cette expression qui effectivement donne que 3 valeurs par permutation. Et Lagrange conclut que dans tous les cas, là, j'ai mis dans tous les cas en gras parce que, en fait, c'est pour me rappeler que ça concerne aussi les techniques d'Euler et de Bezout, parce qu'il passe en revue les techniques d'Euler et de Bezout, et je ne vais pas en parler parce que c'est très analogue, tout en étant différent, c'est très analogue à la méthode de Tchernaus. Donc, on a un peu les mêmes discussions, et donc je ne le fais pas. Et il dit que dans tous les cas, les racines des réduites
sont des fonctions des racines de l'équation initiale qui ne peuvent prendre à chaque fois que trois valeurs, d'où une équation réduite de degré 3. Et alors, quand on arrive au degré 5, il dit « Rien n'en démontre l'impossibilité. Je ne connais jusqu'à présent que deux méthodes qui paraissent donner quelque espérance de succès. Ce sont l'une celle de M. Tchernaos et l'autre celle de M. Euler et Bezout. Celles que M. Euler et Bezout ont proposées presque en même temps, ces méthodes ont l'avantage de donner la résolution des équations du troisième et quatrième degré d'une manière générale uniforme. Avantage qui peut par conséquent être un préjugé pour leur succès dans les degrés plus élevés. Bon, mais les calculs sont si longs et si compliqués que le plus intrépide calculateur peut en être rebuté. En effet, pour appliquer par exemple la méthode de M. Tchernaos au cinquième degré, l'équation finale résultante doit monter en général au 24e degré. Hein, factoriel 5 moins 1, ça fait 24. Tout comme les méthodes de l'air et de Bezout. Il est très douteux que les méthodes dont nous venons de parler puissent donner la résolution complète des équations du cinquième degré et, à plus forte raison, celle des degrés supérieurs. Cependant, il revient sur la méthode de Tchernaos. On a vu que pour une équation de degré m, la réduite est de degré factoriel m-1. Mais il se demande s'il ne serait pas possible d'abaisser ce degré. Et pour ça, il effectue des dénombrements, déduit des permutations des racines, et il arrive à démontrer que si le degré m de l'équation est un nombre premier, alors la réduite est décomposable en un certain nombre d'équations qui sont de degré m-1. Donc degré m-1, ça y est, c'est un avantage, c'est plus petit que m. Sauf que cette décomposition se fait à l'aide d'une équation de degré factoriel m-2. Factoriel m-2, c'est mieux que factoriel m-1, mais déjà pour le degré 5, factoriel 5 moins 2, ça fait 6. Et si le degré de l'équation m est un nombre composé, la réduite va être décomposable en un certain nombre d'équations de degré phi de m, donc phi de m c'est bon, c'est beaucoup plus petit que m en général, et à l'aide, mais c'est à l'aide d'une équation de degré factoriel m moins 1 sur phi de m. Phi c'est évidemment la fonction de l'air. C'est, bon, la notation, Lagrange n'emploie pas cette notation. Et on arrive à la dernière partie de l'ouvrage du mémoire de Lagrange. Il dit « L'art de résoudre les équations consiste à découvrir des fonctions des racines telles que les équations dont elles seront les racines, soit d'un degré moindre que celle de la proposée, ou soit au moins décomposable en d'autres équations d'un degré moindre. » Donc, son idée, c'est toujours de trouver des fonctions des racines qui joueront le rôle des nouvelles variables qui vont vérifier des équations d'un degré moins élevé. Mais jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Alors, bien qu'on n'y soit pas arrivé, il se dit qu'il faut quand même étudier la question. Et donc, il fait une étude systématique des fonctions rationnelles des m racines d'une équation de degré m. Et donc, s'il appelle f une telle fonction rationnelle de ses racines, et il cherche à voir qu'est-ce qu'on peut dire de l'équation vérifiée par F. Eh bien, il dit que F va vérifier une équation en T qui va être de la forme produit des T moins F indice K égale 0, où F indice K décrit l'ensemble des valeurs prises par la fonction F. Alors, comme si on a M racine, on aura factoriel M permutation, donc a priori, on a factoriel m valeurs différentes pour f. Donc, a priori, l'équation que l'on trouve est une équation de degré factoriel m. Quant au coefficient de cette équation est invariante par permutation des racines, donc les coefficients aussi. Ce sont des fonctions rationnelles des coefficients de l'équation initiale. Et là, Lagrange fait référence aux travaux de Cramer et de Waring. Mais
ce qui l'intéresse, c'est qu'il se peut que la fonction soit telle qu'elle ne change pas pour certaines permutations. Et du coup, si c'était le cas, le degré de l'équation serait abaissé. Et donc là, j'ai repris l'équation vérifiée par F. Et ce que montre Lagrange, c'est que si F est invariante par une permutation quelconque d'un groupe de alpha racines, alors groupe n'a rien à voir avec le mot groupe, c'est un ensemble de alpha racines. S'il y a un ensemble de alpha racines tel que quand on les permute, F ne change pas, alors l'équation en T sera une équation en T puissance factorielle alpha, puisque chaque valeur de F sera répétée au moins factorielle alpha fois. De sorte que l'équation s'abaissera au degré factoriel M sur factoriel alpha. Et plus généralement, Lagrange montre que toute fonction f des racines d'une équation de degré m vérifie, toute fonction rationnelle des racines d'une équation de degré m vérifie une équation dont le degré est un diviseur de factoriel m. Et c'est là que tout le monde reconnaît le théorème de Lagrange, puisque selon lequel l'ordre d'un sous-groupe, d'un groupe fini, divise l'ordre du groupe. Alors, bien sûr, la notion de groupe n'existe pas, mais disons que ceci peut s'interpréter comme, pour nous, ça peut s'interpréter comme l'effet du groupe de permutation des racines, le groupe sigma m des permutations des racines qui agit sur les valeurs de la fonction f. Et ce que dit Lagrange, c'est que si la fonction f prend une valeur un certain nombre de fois, eh bien, il prendra toutes les autres valeurs le même nombre. Si une valeur est prise k fois, eh bien, toutes les autres valeurs seront prises aussi k fois. Ce qu'on peut interpréter en disant que le sous-groupe stabilisateur d'une valeur est la même pour toutes les valeurs de la fonction, donc le long de toute l'orbite des valeurs de la fonction, et du coup l'ordre du stabilisateur divise l'ordre du groupe. Bon, et là, on est vers la fin du mémoire, j'en arrive à un résultat fondamental de Lagrange, qui dit que si on prend deux fonctions f et g, deux fonctions rationnelles des racines de l'équation, et si les permutations des racines qui laissent la fonction f invariante laissent aussi la fonction g invariante, alors g est une fonction rationnelle de f, fonction rationnelle exprimable à l'aide des coefficients de l'équation donnée. C'est un très beau résultat avec une très belle démonstration dans laquelle justement Lagrange utilise son polynôme d'interpolation. Et peut-être que de façon très anachronique, je traduis cet énoncé pour qu'on voit bien ce qu'il apporte. Si j'appelle petit k le corps engendré par les... Donc il n'est question ni de groupe ni de corps, bien sûr. Si j'appelle petit k le corps engendré par les coefficients de l'équation donnée, si j'appelle grand K le corps engendré par les racines, le corps de décomposition du polynôme donné, et si je prends petit f et petit g, deux éléments dans le corps grand K des fonctions rationnelles des racines, et si toutes les permutations des racines qui laissent f invariante laissent g invariant, alors on peut affirmer que G est dans le corps engendré sur petit k par petit f. Donc là, c'est exprimé en formulation de théorie de Galois. Bon. On arrive à la fin du mémoire de Lagrange et... Donc on n'a pas de conclusion, on ne sait pas si Lagrange pense que l'équation est résoluble ou non. On a l'impression qu'il a des doutes sur la possibilité de résoudre l'équation du cinquième degré. Il n'est plus revenu sur cette question de façon explicite, sauf peut-être dans une note, la note 13 de la deuxième édition du traité dont j'ai parlé tout à l'heure de 1808.
mais il n'y a pas d'apport, pas d'apport nouveau. Alors, après Lagrange, quel est l'héritage de Lagrange? Bon, après Lagrange, ben, enfin, je suis obligé de citer Vandermonde qui était contemporain, qui a publié en même temps que Lagrange, a présenté à l'Académie en même temps que Lagrange, à peu près en même temps, mais l'un était à Berlin, l'autre à Paris, un mémoire sur le même sujet, la résolution des équations. Vandermonde n'est pas aussi général que Lagrange, il n'est pas aussi clair que Lagrange, mais il traite de choses parfois semblables. Et notamment, dans le traité de Vandermonde, on a des résultats sur les fonctions des racines qui sont invariantes par des permutations circulaires, ce qui lui permet notamment de traiter de certaines équations cyclotomiques, ce qui lui permet de résoudre par radicaux x11 moins 1 égale 0. Bon, je ne rentre pas... Lagrange ne connaissait pas le mémoire de Vandermonde. Il y fait justement allusion en 1808 en donnant acte à Vandermonde de la valeur de son travail. Ce que je voudrais citer aussi, c'est Gauss en 1808 qui, lui, dans ses Discussiones arithmétiques, montre que toute une classe d'équations sont résolubles par radicaux, les équations cyclotomiques. Lagrange reviendra là-dessus justement en 1808 dans la note 14 où il démontrera à sa manière que les équations cyclotomiques sont résolubles par radicaux. Mais bon, il me faut parler de Ruffini qui pour la première fois en 1799 énonce clairement l'impossibilité de résolution d'équations du cinquième degré. Et il fait référence, il a lu Lagrange, il le cite, il donnera plusieurs démonstrations de ce résultat. Alors, pour ce faire, il travaille sur les permutations. Il donne les premiers éléments d'une théorie des permutations, et notamment, il démontre qu'on peut exprimer de façon anachronique en disant que le groupe S5 n'a pas de sous-groupe d'indice 3 ou 4. Ce qui montre notamment que si on prend une fonction de Saint variable, une fonction de Saint variable qui a au moins 5 valeurs distinctes, elle en a au plus 2, puisqu'elle ne peut pas en avoir 3 ou 4. Ce qui fait que, ce qui montre que l'équation du cinquième degré n'est pas résoluble par radicaux sous la forme de d'une recherche de réduite, comme le proposait Lagrange. Bon, le travail de Ruffini n'a pas été reconnu par ses contemporains, n'a pas été reconnu par Lagrange auquel Ruffini y avait envoyé ses travaux. Le seul à avoir reconnu Ruffini, c'est Cauchy, dans une lettre de 1821. Et peut-être même que Cauchy s'est inspiré des travaux de Ruffini pour ses travaux personnels, c'est une supposition. Hein. Et là, il s'agit je parle là maintenant du mémoire de Cauchy de 1815 sur le nombre des valeurs qu'une fonction peut acquérir lorsqu'on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu'elle renferme. Alors, Cauchy, dans ce mémoire, fait référence à Lagrange, à Vandermonde et à Ruffini. Mais dans ce travail, Cauchy s'intéresse essentiellement aux permutations. C'est un travail sur les permutations et il ne s'intéresse pas à l'application, à la résolubilité des équations. Et notamment, il étend le résultat de Ruffini. Il montre que si une fonction de n lettres prend moins de p valeurs distinctes, où p est le plus grand nombre premier divisant n, alors elle en a au plus 2. Donc c'est ce que Ruffini a démontré pour n égale 5. Ensuite, on en vient à Abel, qui publie en 1824 un mémoire à ses frais
où il démontre à son tour l'impossibilité de résoudre l'équation du cinquième degré. Sa démonstration est plus développée et publiée en 1826. Et Abel est un lecteur de Lagrange et de Cauchy, notamment du lecteur du mémoire de Cauchy de 1815. Donc il utilise les travaux de Lagrange et de Cauchy pour son résultat. Alors, quand on parle de l'irrésolubilité de l'équation du cinquième degré, il s'agit bien sûr de l'équation générale du cinquième degré, puisque on l'a vu, il y a des équations qui des familles d'équations qui sont résolubles par radicaux, comme les équations cyclotomiques, comme Gauss l'a démontré. Et Abel, à son tour, démontre dans un dernier mémoire publié peu avant sa mort, sur une classe particulière d'équations résolubles algébriquement, il démontre ce qu'on peut dire, exprimer anachroniquement maintenant, en disant qu'une équation dont le groupe des Galois est abélien est résoluble. Et j'en viens à Galois. Galois qui dit clairement qu'il est un lecteur de Lagrange, de Gauss et de Cauchy. Alors, Galois. Oui. Ruffini a tenu problème. Galois ne connaissait pas Ruffini au moment de ses premiers travaux. Il a fait référence à Ruffini ultérieurement, mais pas. Alors. Galois est l'inventeur de la notion de groupe, ou surtout du terme groupe, mais dans la mesure où, là j'écris des choses pour simplifier, je dis que Galois travaillait avec le groupe symétrique, hein, faisait agir les permutations sur les racines, mais il n'utilisait pas la structure de groupe, ça n'existait pas. Gauss, lui, utilisait les groupes cycliques avec ses polynômes cyclotomiques. Cauchy utilisait le groupe alterné avec ses fonctions qui prenaient deux valeurs. Et Galois est le premier à considérer des ensembles de permutations qui étaient stables par composition. Donc il n'avait pas de contraintes sur... C'était n'importe quel sous-groupe. Il définit le groupe d'une équation. Pour lui, alors j'ai changé quelques mots pour que ce soit un peu lisible. C'est un ensemble d'arrangements, le groupe d'une équation, c'est un ensemble d'arrangements des racines, tel que si on considère l'ensemble des permutations qui font passer d'un arrangement à l'autre, eh bien cet ensemble de permutations est la propriété suivante. C'est qu'une expression rationnelle en les racines est invariante par ses permutations, si et seulement si elle est rationnellement connue. Alors rationnellement connue, ça veut dire que c'est une fonction rationnelle des coefficients de l'équation. Donc moi je l'ai traduit, appartient au corps engendré par les coefficients de l'équation. Donc pour Galois, le groupe, c'était un ensemble d'arrangements de racines. Si on oublie l'arrangement des racines, si on ne garde que les permutations qui font passer d'un arrangement à l'autre, on retrouve vraiment ce qu'on appelle maintenant actuellement le groupe de Galois d'une équation. Il énonce les énoncés, la question de savoir si les démonstrations sont complètes, c'est une autre histoire, mais en tout cas les énoncés sont là. Si l'on adjoint à une équation la racine R d'une équation auxiliaire, si on remplace le corps K engendré par les coefficients par le corps K de R, je fais la traduction pour que ce soit un peu plus simple parfois à suivre, alors le groupe de l'équation, le groupe qui a été défini précédemment, va se partager en groupes, entre guillemets, Galois appelle ça groupe, qui ont des propriétés que l'on formule, je traduis les propriétés que donne Galois, c'est que si G est le groupe de l'équation donnée, si H, donc j'ai une équation auxiliaire qui aura elle-même un sous-groupe que j'appelle H, eh bien,
ce partage du groupe en groupe, selon Galois, c'est simplement, ça veut dire qu'on a une partition de G en classe modulo H. Bon, et là, on comprend ça notamment en regardant la lettre testamentaire de Galois à Auguste Chevalier. Et en marge de cette proposition, il précise, il l'a rajouté, il y a quelque chose à compléter dans cette démonstration, mais il n'a pas le même argumentaire que Fermat. Il dit « je n'ai pas le temps ». C'était sans doute peu de temps avant son duel. Et puis une deuxième proposition, si cette fois-ci on adjoint non pas une racine, mais toutes les racines de l'équation auxiliaire. Autrement dit, si on remplace le corps des coefficients par une extension normale, alors la décomposition est propre. Galois dit propre. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Mais ça revient à dire, en termes actuels, que les classes à gauche et les classes à droite sont les mêmes, c'est-à-dire que le sous-groupe est invariant. Et enfin, une troisième proposition, pour que le groupe d'une équation puisse s'abaisser par une simple extraction de racines, il faut qu'il possède une décomposition propre en P classe, où P est un nombre premier. Autrement dit, si je traduis, que le groupe de l'équation possède un sous-groupe invariant d'indice en nombre premier P. Et ensuite, il explique que ce qu'on a fait pour l'équation initiale, on peut le faire pour l'équation auxiliaire, itérée, et donc le groupe de l'équation auxiliaire devra lui aussi posséder un sous-groupe invariant d'indice, un nombre premier P. Et donc, il arrive à formuler le fait que l'équation va être résolue par radicaux si son groupe est résoluble, mais résoluble, bon, et j'emploie le mot résoluble, ce n'est pas le mot de Galois, bien sûr. Donc, le grand génie de Galois par rapport à Lagrange, c'est qu'il a remplacé la recherche des racines auxiliaires, des équations auxiliaires, par l'étude du groupe qui est associé à l'équation. Et on va lire la résolubilité de l'équation sur le groupe, indépendamment des expressions qui pourraient nous fournir la résolution des équations par radicaux. Donc on a un algorithme qui permet de savoir si l'équation est résoluble ou non. Alors, ces résultats n'ont été connus essentiellement qu'en 1846, quand ils ont été publiés par Liouville, qui en a repéré la valeur, parce que les écrits qu'il avait, qui datent de 1829 et 1831, ont été soumis à l'Académie, mais ont été soit égarés, ce qui est assez extraordinaire, soit refusés, ce qu'on peut concevoir parce qu'ils étaient difficiles d'accès. Mais donc c'est Liouville qui a permis de faire connaître les travaux de Galois. Il y avait tout de même une lettre publiée en 1832, la lettre testamentaire de Galois, où il explique ce qu'il souhaitait faire et qui éclaire un peu les mémoires non publiées. Je vais peut-être passer rapidement. Et là, il y a une explication possible aussi pourquoi est-ce que ceci n'a pas été accepté par l'Académie. C'est que ensuite, il veut appliquer sa théorie au cas où le degré de l'équation est un nombre premier. Et il traduit ça d'une façon totalement indépendante du groupe. Alors, du coup, ça devient un énoncé. Vous avez là un énoncé qui est tout à fait compréhensible par tout le monde, sauf qu'on ne voit pas comment l'appliquer, et on ne voit plus d'algorithme. Et donc, du coup, ça fait perdre de la valeur à ce qui précède, si on pense que c'est ça le résultat essentiel. Bon, je passe pour arriver rapidement au
à l'époque, pour avancer dans le temps. Donc la notion de groupe est formellement donnée par Kelley en 1854. C'est un ensemble de symboles tels que le produit de symboles soit encore dans l'ensemble, ce qui lui permet, alors il définit les notions de groupe conjugué, de groupe invariant, ce qui lui permet de considérer des groupes de matrices ou de quaternions, donc des groupes autres que des permutations. Bon, évidemment, 20 ans plus tard, il démontre que tout groupe fini est en fait un groupe de permutations. En ce qui concerne la postérité de la théorie de Galois, le premier ouvrage d'enseignement qui fait référence à la théorie de Galois et qui est postérieur aux publications par Liouville, c'est le cours d'algèbre supérieure de Serret, mais uniquement dans sa troisième édition de 1866. Et tout ça est repris de façon très importante, en 1870, un siècle après le mémoire de Lagrange, par Jordan, qui, avec son traité des substitutions et des équations algébriques, donc un énorme volume, et dont le titre est un peu trompeur parce que c'est finalement beaucoup un traité sur les groupes. Il y rassemble tout ce qu'il est connu sur les groupes, notamment ce que lui-même a publié au cours des 10 années précédentes. Les groupes sont étudiés pour eux-mêmes. Il y a la première démonstration du théorème de Lagrange, qu'il appelle de Cauchy-Lagrange. Il introduit la notion de groupe simple en référence à Galois, qui lui-même a démontré que, notamment dans sa lettre testamentaire, que le groupe, ce qu'on appelle le PCL2 de FP, est un groupe simple. Il introduit la notion de suite de composition. Alors, on l'imagine chez Galois, mais pour chez Galois, les suites de composition, c'est quand les quotients consécutifs sont des groupes qui sont d'ordre un nombre premier. Donc là, on retrouve la définition classique et la notion de groupe résoluble, groupe associé à une équation résoluble. Il reformule complètement la théorie de Galois, vraiment en termes de groupe. Et son traité aura une très grande influence. Alors là, je parle d'une dichotomie entre mathématiques constructives et mathématiques existentielles à propos, par exemple, de la résolubilité d'une équation. Chez Lagrange, résoudre une équation par radicaux, c'est faire donner une résolution explicite. Chez Galois, on regarde sur le groupe, la réponse est oui ou non sur le groupe. La question n'est pas de donner une formulation explicite. Alors, oui, je parle du concept de corps aussi, parce qu'il est en filigrane chez Lagrange, avec les fonctions rationnelles. Il est encore plus présent chez Galois. Et il a été introduit par Kronecker, en tant que Rationalitätsbereich, étudié entre 1873 et 1882, avec un point de vue constructiviste. C'est adjonction d'un nombre à l'ensemble des coefficients de l'équation, comme chez Galois. Donc un domaine de rationalité, chez Kronecker, c'est une extension finie d'un corps de nombre, du corps des rationnels. Et puis, il est aussi introduit comme Körper par Dedekind en 1894, et le point de vue est existentiel. C'est un ensemble qui a un ensemble de propriétés, un certain nombre de propriétés, ce qui permet d'étudier d'autres types de corps, comme les corps finis. Et là, je dois citer le mémoire de Galois, qui lui était publié en 1830, sur les congruences du type f de x congrue à 0 modulo p, où il jette les bases de la théorie des corps finis. Voilà. Et là, les exposés modernes de la théorie de Galois avec Heinrich Weber, Emil Artin, et ça devient vraiment une théorie des extensions de corps et des groupes d'automorphisme de ces extensions. C'est-à-dire qu'on perd a priori la question initiale. Les corps peuvent être n'importe quoi, donc les corps sont plus nécessairement finis ou de caractéristiques zéro, il y a des questions de séparabilité. Et puis, l'application à la résolution des équations devient secondaire et l'algèbre prend une orientation existentielle. Alors, où s'arrête l'héritage de Lagrange? Ce qui est sûr, c'est que Lagrange est le plus ancien mathématicien en ligne directe avec la théorie de Galois. On voit bien les racines de la théorie de Galois dans
la fin des travaux de Lagrange. Et l'algèbre, au départ, c'est la théorie des équations, comme le prenait Lagrange, mais à l'arrivée, c'est la théorie des structures avec la notion, les notions formelles de groupe et de corps. Alors, est-ce qu'il faut aller voir au-delà ce que sont devenus le groupe, ce que sont devenus le corps, mais est-ce que là, ce n'est pas plutôt l'héritage de Galois plutôt que l'héritage de Lagrange? Bon, où s'arrête? Je ne sais pas. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Thank you very much for a very beautiful talk. Is there any question or remark? À quel point est-ce que Galois était mauvais avec Lagrange? À quel point je ne sais pas, mais je sais qu'il a lu, il en parle. Oui. C'était quelqu'un qui l'a amené vers ça. Mais il a lu Cauchy. Cauchy, c'est Lagrange. Tout le monde lisait Lagrange. Ses mémoires étaient publiées dans les. Pas seulement en France, mais aussi en Italie, en Angleterre. C'est très important. Oui, ça, il paraît difficile qu'il s'attaque à la question de la résolubilité des équations sans lire Lagrange, qui quand même a écrit un mémoire qui fait le point sur la question. Oui, mais surtout les livres sur le traité de la résolution des équations numériques, qui sont très. More questions or remarks? Maybe I can make two comments. And so the first one is that, now we see a route going, as you pointed out, from Lagrange to Galois. So when I was a boy and I read first things in algebra, I thought that Galois came out of nothing. Now we know that it is not the case, right? There is pattern. What is less clear is how Lagrange came to the to substitution, so the use of substitution. You pointed out that he made an analysis of the formulas of the Italians, right? But it is not, it's really a completely new and original idea of Lagrange, or there was something before him? Because this is really amazing idea, right? This, is the idea, in fact. Je ne suis pas sûr des auteurs qui précèdent, mais on a l'impression que justement c'est le propos de Lagrange de montrer, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est ce que fait Lagrange, c'est-à-dire il démarre et à chaque fois il veut exprimer les inconnus auxiliaires à l'aide comme des fonctions rationnelles des racines. Et là, il ne fait pas référence à des auteurs précédents, alors que chaque fois, il cite beaucoup de noms pour des résultats divers et variés, mais pas pour ce type de résultats. Il disait qu'il y avait Van der Monde dans le même sens. Oui, alors, justement, il y a Van der Monde, mais ils ont publiés en même temps, ils ne connaissaient pas leurs travaux, je pense. Mais effectivement, c'était peut-être dans l'air du temps, puisque il y a les travaux de Waring, bon, qui sont publiés un an avant, mais qui étaient déjà connus depuis un certain nombre d'années, sur les permutations, les fonctions symétriques. Enfin, donc c'était. Parmi les premiers qui ont étudié la mémoire de Lagrange, on a eu en Italie Malfatti. Mm-hmm. Oui. Qui a fait des progrès sur
la transcription de la résolution, de la résolvente. Vous savez si l'enfant qui était connu par exemple par le parti? Bon, je ne sais pas, mais... Je pas... par vos filles, parce que oui. Aussi, oui, oui. Moi, je ne l'ai pas vu cité par Cauchy, mais bon, je ne suis pas sûr. And the other thing I wanted to point out is that for us it's clear not to make this, how to say, to have this picture, right? That we start with the questions and then with structures, which is very natural for us. However, the in the Serret's book that you mentioned, the Traité de l'Algèbre Supérieure, he starts by saying that algebra is solution of equations, and this is at the end of 19th century, so it's was still unclear that structures were the primary things to look at. So this is very natural for us. Merci. Oui, j'ai une question un petit peu piège là sur le sur Serret. Oui. Donc c'est seulement dans la troisième édition, oui, en 1766, qu'il cite donc les travaux de Galois. Mais Serret est aussi l'éditeur des œuvres de Lagrange. Alors est-ce qu'il y a chez lui une interaction dans un sens ou dans l'autre entre son travail sur l'édition des œuvres de Lagrange et sa redécouverte de Galois? Il commence à 107, publié après. Il a commencé à travailler avant. Non, je ne sais pas répondre à cette question. On a l'impression qu'il n'était, qu'il a mis du temps à réagir à la théorie de Galois. Et il n'a pas... C'est son élève. Oui, c'est son élève Jordan qui a pris les choses en main, mais lui, il en parle, mais d'une façon très, très, très limitée. Une petite réflexion. L'algèbre, c'est une matière qui change les sujets dans l'époque. Oui. Dans la première partie de sa vie, chez les Arabes et chez les Italiens du 15e et du 16e siècle, l'algèbre, c'est la solution des équations. Après, avec Viète, elle devient la manipulation des inconnus, des symboles, etc. Avec Lagrange, elle redevient la solution des équations. Et après, elle devient, oui, justement, l'histoire des structures algébriques. I think you forgot Otto Helder, the theory of compensation series is yeah. By him, so to say, as extension of Jordan. Yes, oui, mais c'était très... J'ai pas voulu citer tout le monde, parce que vous avez raison. J'ai vu à un moment donné, tout groupe fini est un groupe de permutation. Oui. C'est vrai ça? Ben, c'est le théorème de... Je pose la question, parce que si on prend un produit de deux groupes de permutation, c'est un groupe de permutation. C'est le théorème de Kelley? Tout groupe fini est un groupe de permutation. Oui, enfin, est un groupe de... Pardon, est un sous-groupe d'un groupe... D'un groupe de... Oui, oui, est un sous-groupe, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais dans ici, dans ce point de vue historique, un groupe de permutation, c'est un morceau de groupe symétrique. Hein. Oui, oui, oui. Pardon. Ok, there is no other question. Non. C'est pas une question, c'est une remarque. Oui. De
Oui, pour donner un petit peu le point de vue des vaincus et des irréguliers, je crois qu'il faut dire aussi que les tentatives de résolution des équations de degré strictement supérieur à 4 ont quand même stimulé beaucoup de gens qui ont quelquefois cru y arriver et même quelquefois qui ont convaincu des mathématiciens importants qu'ils avaient réussi. Et en particulier, il y a un mathématicien français assez étrange qui s'appelle Margury, qui était aussi un marin et qui est mort en 1779 et qui a écrit de nombreux mémoires dans les mémoires de l'Académie de Marine, publiées à Brest. Et il s'agissait de mémoires qui n'avaient aucun rapport, enfin pour certains qui n'avaient aucun rapport avec la marine, avec la navigation, etc. Et dont plusieurs sur les équations, comme cela. Et alors que dans le milieu de l'Académie des sciences autour de D'Alembert, de Lagrange, mais encore plus de Condorcet, on doutait assez fortement de la possibilité de résoudre les équations à partir du degré 5, lui a réussi un moment à convaincre D'Alembert qu'il avait obtenu le résultat. Et il y a une lettre d'Auguste de Keralio, qui était un proche de D'Alembert et de Condorcet, au mathématicien italien Paolo Frisi, lettre qui se trouve à Milan, à la bibliothèque Ambrosiana, dans laquelle Keralio dit « J'ai vu hier monsieur D'Alembert, il y a un fait extraordinaire dans l'histoire de l'algèbre, c'est qu'un mathématicien assez peu connu, qui s'appelle Margury, a démontré la possibilité de résoudre les équations de degré supérieur à 5, et c'est D'Alembert qui vient de me le dire ».